Oui, fille des toilettes, t'es que ça, qui a clair, c'est qui, c'est aussi, c'est ce qu'il te noue, Arthur, en France. En France, ma chère, c'est la qui, il me gère de qui a fait. Et ouais, chaud. A qui ne vous en fait, c'est dit Mozilla. Il se dit, c'est Glenn qui a dit l'un des Américains, ma chère, c'est le Hank, c'est ce que moi, il y a des gens qui ont fait ce qu'ils font dans l'informatique. إيش كان يشودن يبقى في ثلاث لاين كير هو كانت شنو تقدر يخصنا كان نعاون سعيرة تسوي لاف نعي ذا بوثن نعي ونك وكني هذاك شمن أما ظلك أمضين نزار كن كيران تربعني المزيان يقبليا سكشمن لما سنطاس دي تنفر نكير أن موزيا كن يسهم محمد أوف القسم اسمي دي روح غردكي غال كندا وكن زغام نروح نولد دانيل بير واتنسن ذكي دي تورونتو دي كندا ثم اقلير تما تولي مكا الكسندر ليسيدوين اي جلان ذا مطبر الموزيا ناوين يسلحين اسم فار الموزيا دي فرنسا سينير الزول فلاك بونجور الكسندر ازول La toute première question afin de permettre à Kazam Alexandre de Francis d'Amsley de lire ce que c'est une des théories de lire Francis. Alexandre de Wien, il s'en est mêlé, Thémot n'y a pas valié, n'a pas couru, il s'en est mêlé, ou il s'en est mêlé, un petit cas, il s'en est mêlé, tout l'être valié, de son phare en Mosea. La première des choses, brièvement, je viens de te présenter, mon cher Alexandre, donc ça serait bien de ne parler un peu plus de toi pour que ceux qui nous regardent parmi les Kabyles à travers les 7 continents de la planète nous regardent. C'est qui Alexandre exactement? Azul à tous, merci de m'accorder un peu de temps. Alexandre, c'est qui? Alexandre, c'est quelqu'un qui travaille chez Mozilla depuis quelques années et qui fait partie de l'équipe qui s'appelle Deep Speech pour le moment. Qui travaille sur le moteur de reconnaissance vocale libre chez Mozilla. Donc officiellement, je dépends du bureau de Paris et la plupart de mon équipe est basée à Berlin. Je ne sais pas si tu veux plus de détails. C'est suffisant. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on va te connaître un peu plus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de dire plus dans le contexte. Oui. Oui. La prochaine question, mon cher Alexandre, c'est de nous dire pourquoi la fondation ou la compagnie Mozilla défend farouchement le logiciel libre et la confidentialité en ligne. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est très bien que tu aies évoqué le côté fondation et le côté société. Parce que tout ça, ça en dépend très fortement. Pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, il est possible qu'elles se souviennent d'un logiciel qui s'appelle Netscape il y a tout à fait. Une vingtaine d'années. Je pense, Alexandre, c'est l'un des précurseurs de comment s'appelle le navigateur. Hein, c'est l'ancêtre des navigateurs. Exactement, c'était un des premiers navigateurs. Avec une interface graphique. Et ça a été une des plus grosses introductions en bourse à l'époque, en 1994. Et 2 ans après, Microsoft a sorti Internet Explorer. Elle l'a mis gratuit, alors que Netscape était payant à l'époque. Elle l'a mis gratuit dans Windows 95. Et ça a mené d'une part au procès antitrust, et d'autre part à l'extinction de la société Netscape. Ça a pris quelques années, mais la société Netscape a fini par péricliter, être rachetée par AOL, être démantelée. Et au sein de la société Netscape, il y avait déjà des gens qui étaient assez convaincus du logiciel libre. En 96-98, hein, donc ça fait maintenant, c'était des gens qui avaient un certain point de vue par rapport à l'écosystème de l'époque. Et donc, ces gens-là n'acceptaient pas que d'une part toute la technologie qu'ils ont construite disparaisse avec la société, et d'autre part, ils voyaient d'une manière assez négative la mainmise potentielle de Microsoft sur l'outil qui permet d'accéder au web. Parce que de leur point de vue,
Le web, c'était censé être quelque chose qui est ouvert, accessible à tous. Le web uniquement entre les mains de Microsoft, il y a un risque que ça devienne n'importe quoi. Et donc, pour éviter ça, ces gens ont dit, le logiciel qu'on a écrit, on va le libérer, on va le rendre accessible à tout le monde, de telle sorte que s'il y a d'autres personnes qui veulent le prendre, le modifier, l'adapter, l'améliorer, elles pourront. Si la société, elle disparaît, le code disparaîtra pas avec. On pourra toujours en faire quelque chose. Si ce qu'on a fait, c'est intéressant, il y aura forcément quelqu'un qui finira par le reprendre. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont construit ce qui s'appelle le projet Mozilla. Le projet Mozilla, c'est né comme ça, c'est né de la libération du code source de Netscape. S'il y a des gens qui sont curieux, il y a un documentaire qui avait été fait à l'époque qui s'appelle Code Rush, que j'avais participé à sous-titrer en français avec d'autres contributeurs il y a une petite dizaine d'années. Et donc, dans ce documentaire-là, qui doit être toujours disponible sur YouTube et sur d'autres plateformes, ils ont directement filmé le processus de libération du code source, les derniers mois pendant lesquels le code source a été libéré, jusqu'à la release officielle fin mars 1998. Et donc ça, c'est super important, parce que ça a été la première pierre pour construire le projet Mozilla, et derrière pour construire Firefox. Une fois que le projet Mozilla a été construit, il a commencé à y avoir des contributions extérieures, et petit à petit, ça s'est organisé. Donc il y a eu la constitution d'une fondation, et la constitution d'une société commerciale. Donc à l'heure actuelle, la structure, c'est ça. Il y a une société commerciale de droit américain qui s'appelle Mozilla Corp, qui est entièrement détenue par la fondation à but non lucratif Mozilla, qui est présidée par Mitchell Baker. Et le logiciel libre et l'Internet, l'objectif de la fondation, c'est vraiment de défendre. Et c'est marqué dans son manifeste. Le manifeste de Mozilla, c'est un document 10 règles ou 12 règles, je ne sais plus, des valeurs qu'on estime critiques pour rendre, conserver et améliorer le web pour qu'il soit accessible à tous, où qu'on soit sur la planète, quel que soit notre système d'exploitation, quelles que soient nos capacités physiques. Quand on dit accessible, c'est aussi accessible aux personnes qui ont des handicaps, c'est accessible aux gens qui n'ont pas forcément une machine d'un écrit, etc. etc. Et donc ça, le web accessible, c'est un des principes, un des éléments du manifeste qui sont défendus très fortement par Mozilla, par la fondation Mozilla. Et la manière de mettre en œuvre cette vision et cette défense, c'est par la société commerciale, notamment via Firefox et via tous les projets qu'on fait à côté. Et la thématique de la vie privée, bah, elle vient directement dans ce contexte-là, avec l'évolution de l'écosystème d'Internet, l'évolution des business models, la quantité de données qui sont générées et qui sont collectées et qui sont derrière utilisées à des fins de suivi. Tout ça, ça amène à intégrer la défense de la vie privée comme un des piliers pour garder le web ouvert et accessible à tous. Après, sur ces thématiques-là, tu voudras peut-être revenir vers Lucille et discuter avec quelqu'un de la fondation, sera peut-être encore plus à même de porter ce message-là. Tout à fait. On le fera probablement avec votre collègue. On nous a dit avec Lucille, oui. Voilà, Lucille. Elle nous a dit comme quoi elle va mettre TQ5 en contact avec un responsable de Mozilla aux États-Unis qui est Jeff. Tu dois connaître Jeff, certainement. Oui, on en a parlé. Voilà, donc peut-être il va donner plus de détails, ce sera en langue anglaise pour TQ5. Donc il n'y a pas de problème sur ce point de vue. Donc on continue, si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Ben après, l'aspect logiciel libre, c'est un moyen d'y arriver. Parce que si le logiciel n'est pas libre, ça rend l'accessibilité beaucoup plus compliquée. Et puis c'est aussi le fait que
des personnes qui ont construit le logiciel, qui ont construit Mozilla. Ça fait partie de l'ADN du projet, de la société, de la fondation. Tout ce qu'on fait, par défaut, c'est du libre. Par définition et par défaut. Et c'est toujours dans cet axe de garantir l'accessibilité à tous. Très bien, Alexandre. On enchaîne avec la question qui suit. Mon cher Alexandre, la question qui suit, ça a un rapport avec le projet Common Voice. Nos auditeurs de TQ5 et les cabinets à travers le monde aimeraient bien savoir de quoi il s'agit, c'est quoi son but, parce que c'est un projet dans lequel la langue kabyle s'est beaucoup impliquée ces derniers temps. Parlez-nous un peu de Common Voice. Alors, pour parler de Common Voice, il faut que je parle peut-être un petit peu de Deep Speech. Deep speech, ouais. Ça permet de plus facilement comprendre. Donc, comme je disais, je suis dans l'équipe Deep Speech. On travaille sur un moteur de reconnaissance vocale. Et pour faire très gros, pour faire très simple, pardon, ça utilise donc de l'apprentissage automatique. Et ces techniques de deep learning, ça nécessite beaucoup de données. Et ces données, elles ont la mauvaise propriété de ne pas forcément être disponibles facilement, de ne pas forcément être disponibles en quantité importante et de ne pas forcément être disponibles de manière libre. Ça veut dire qu'il faut potentiellement payer très cher. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des barrières légales pour y accéder. Et donc ça rend l'accès à des technologies vocales plus compliqué. Parce que construire des algorithmes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, c'est facile. Mais collecter des centaines de millions d'heures d'audio, c'est un peu plus compliqué. Bon, je dis que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Mais c'est deux échelles différentes de complexité. Et donc, en même temps qu'on a initié le projet Deep Speech, évidemment, on était conscient de ces limites-là. On était d'autant plus conscient qu'on avait déjà fait des expérimentations sur la reconnaissance vocale quand on a travaillé sur Firefox OS. Et à cette époque-là, on s'adressait à des marchés pas forcément bien pourvus en termes de données vocales. On s'adressait à des marchés comme l'Inde, des pays d'Afrique dont j'ai oublié le nom. Il me semble qu'il y avait le Niger, des choses comme ça. Ah non, c'était pas le Niger parce que c'était pas en anglais. Mais c'est différents pays avec des langues qui sont pas forcément bien pourvues en termes de quantité de données. Et donc, on s'était déjà cassé le nez sur ce problème-là. Donc, on a décidé cette fois-ci de construire un projet de collecte de données libres, ouvertes, qui soit le plus réutilisable par tous, quels que soient leurs objectifs. Et qu'il soit ouvert au maximum de personnes. C'est comme ça qu'on a fait Common Voice. L'objectif, c'est vraiment constituer cette base de données, qu'elle soit libre, qu'elle soit accessible au plus grand nombre, donc théoriquement à tous, avec le moins de barrières légales, pour favoriser l'innovation sur les technologies vocales et en s'assurant qu'on n'exclut personne à cause de sa langue. Toujours dans l'optique de garantir l'accessibilité et aussi avec l'analyse qui se confirme de plus en plus que les technologies vocales sont de plus en plus utilisées au quotidien pour accéder au web et s'intègrent au quotidien au web. Il y a beaucoup de gens qui lancent des recherches sur Internet à partir de reconnaissance vocale. Il y a beaucoup de situations où on peut avoir besoin d'accéder à du contenu qui est sur le web et où la capacité à le faire au travers de la voix le rend plus pratique ou plus facile. On peut imaginer par exemple quelqu'un qui est en train d'utiliser un casque de réalité virtuelle. On a le casque sur les yeux,
On a les mains prises par des contrôleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un casque de réalité virtuelle, mais pour cliquer sur un clavier virtuel dans un casque de réalité virtuelle, il faut être patient, hein. Donc, dans ce contexte-là, et sachant que à côté de ça, par exemple, si je reprends l'exemple du casque de réalité virtuelle, on pousse pas mal un moteur de rendu orienté réalité virtuelle basé sur Firefox. Partant de là, c'est assez logique de se dire on va intégrer de la reconnaissance vocale pour faciliter l'utilisation, pour faciliter la navigation et à la fin pour faciliter l'accès au web. Voilà. Et bon, merci mon cher Alexandre. Maintenant, la prochaine question, c'est en rapport avec les langues et comment elles sont introduites dans les outils Mozilla. Ce qui m'entraîne à poser une autre question, et qui ajoute aussi les corpus et qui enregistre les phrases. Encore une fois, donc c'est une question à plusieurs facettes. Donc, et comment sont mobilisées les communautés linguistiques. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma question, je récapitule. Qui ajoute les langues? Quatre questions. Quatre questions dans une. Hein. Qui ajoute les langues? Qui ajoute les corpus? Et qui enregistre les phrases? Et comment sont mobilisées les communautés linguistiques dans la communauté kabyle? Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on a construit Common Voice, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit le plus accessible à tous. Et assez rapidement, on s'est posé la question justement de ouvrir à d'autres langues. Parce que la toute première version de Common Voice qu'on a sortie en juin 2017, elle était uniquement sur l'anglais pour qu'on soit capable de commencer à expérimenter, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne marche pas, etc., etc. Après un an, enfin, bien avant quand même, on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment bien et que, y avait beaucoup de demandes pour. Et est-ce que je peux rajouter ma langue? Est-ce que je peux rajouter ma langue? Et puis nous-mêmes, en tant qu'employés et en tant que contributeurs, on n'est pas tous américains. La preuve, il y a quand même un bon paquet d'employés qui soient basés aux États-Unis ou en dehors des États-Unis qui ne sont pas américains, donc qui parlent d'autres langues. Donc le besoin de supporter d'autres langues, il était assez naturel pour tout le monde. Sauf que quand on parle de supporter d'autres langues, et je pense que pour les Kabyles, ça va paraître encore plus évident. Et à un moment, on fait un choix. Enfin, on peut avoir à faire un choix. Si c'est le projet Common Voice, et donc derrière Mozilla qui dit on supporte telle langue, on supporte telle langue, on supporte telle langue. Et faire des choix comme ça, d'une part, techniquement, c'est compliqué, parce que ça veut dire exclure des gens qu'on n'a pas forcément de base envie d'exclure, et les exclure parce que on n'a pas forcément la capacité en termes de nombre de personnes à mettre sur le projet à cet instant-là pour le faire. Et donc exclure les gens, ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Et d'autre part, quand on exclut les gens, ça peut avoir un arrière-goût politique. Ça peut des fois avoir des ramifications assez importantes. Et c'est là où je dis que pour les Kabyles, c'est probablement quelque chose qui parle assez facilement. Donc, assez rapidement et assez naturellement, que ce soit les gens qui gravitaient autour du projet Common Voice chez Mozilla, que ce soit les gens qui travaillent en règle générale autour de la localisation de tous les logiciels Mozilla, donc les gens qui sont chargés de les traduire et de les adapter dans les différentes langues, que ce soit des employés ou des contributeurs, parce que on a des deux types de personnes qui collaborent. Très rapidement, la suggestion, ça a été, il faut pas que Mozilla choisisse et s'implique sur une langue. Il faut que Mozilla permette à n'importe qui de rajouter sa langue. D'une part, parce que ça fait en sorte que l'on n'a pas à imposer un choix. On n'a pas à limiter l'accès sur des critères arbitraires qui potentiellement n'ont pas, enfin c'est pas qu'ils n'ont pas de sens, mais ça reste arbitraire et c'est pas très sympathique pour les gens qui parlent cette langue-là. Et puis d'autre part, on ne peut pas, si on est dans l'objectif de
collecter de la voix pour libérer les applications vocales sur des langues qui sont sous-dotées ou mal représentées actuellement, ça paraît assez difficile de prendre la décision de supporter telle langue ou telle langue, parce que ça va potentiellement être des langues sur lesquelles nous, on n'a pas de compétences. Donc ça rajoute une complexité technique encore. Donc y avait plein d'arguments pour dire, on va ouvrir le logiciel à la vocalisation. Et ensuite, ce seront les différentes équipes de localisation, que ce soit encore une fois des employés ou des contributeurs, qui vont tout gérer. Et donc là, ça va me permettre de répondre aux trois sous-questions. Qui ajoute le corpus, qui s'enregistre et qui gère la communauté? Eh bien, à ces trois questions, la réponse est la même, c'est la communauté de gens qui parlent la langue. Aussi simple que ça. Et donc, on a un petit processus qui est documenté sur le site pour expliquer justement aux gens comment rajouter une langue. Et il y a quelques étapes qui ne sont pas très compliquées. La première étape, c'est de traduire le site web Common Voice dans la langue. La traduction en soi du site, elle prend pas forcément très longtemps à quelqu'un qui a un petit peu d'habitude, puisque c'est quelque chose comme 500 chaînes de caractères à traduire. Donc ça se fait assez rapidement quand on a un petit peu d'habitude. Ensuite, le deuxième critère nécessaire, c'est d'être capable de constituer un premier corpus de texte d'au moins 5 à 10 000 phrases. On est obligé d'avoir constamment un corpus de texte qui est réalimenté pour des raisons techniques. Je peux y revenir après si ça vous intéresse. Pour assurer le lancement, il nous faut un minimum de phrases, à la fois pour ne pas lasser les contributeurs et à la fois pour assurer ces contraintes techniques. Ces phrases-là, ce corpus-là, il y a une contrainte qui est assez forte, c'est qu'il faut que les données qui sont publiés pour le constituer, soit sous licence CC0, donc proche du domaine public. Pourquoi on oblige à ça? Parce que derrière le jeu de données, comme j'ai dit, on produit un jeu de données qui est libre et ouvert. Et donc ce jeu de données-là, il est mis à disposition sous licence CC0. Donc les gens qui vont s'enregistrer, les contributeurs qui vont s'enregistrer dans leur langue, quand ils s'enregistrent, ils acceptent de donner leur voix en enregistrement sous licence CC0. Mais le texte qu'ils lisent sur le site web, celui-ci, il faut qu'il soit collecté de sources tierces qui sont sous licence CC0, soit donné par des gens qui le donnent sous licence CC0. Et donc quand je dis donner, ça peut être, on a des gens qui ont fait ça, qui sont allés chercher des conversations de chat, qui ont anonymisé les informations qui étaient potentiellement privées, et ensuite ils ont copié-collé leur discussion en donnant les droits et en indiquant, il y a une petite case sur le site qui est prévue pour ça, pour indiquer éventuellement la source des données, et donc ils indiquent que c'est des conversations de moi ou c'est des emails de moi, et ça a été anonymisé, c'est moi qui donne l'autorisation. Et ensuite, pour la troisième partie, donc les gens qui s'enregistrent sur le site, c'est les contributeurs dans la langue. Et ça, en fait, l'objectif, c'est que ce soit n'importe qui, pas de manière péjorative, mais n'importe qui, dans le sens où vous pouvez vous arrêter dans la rue, montrer votre téléphone à quelqu'un avec Common Voice, vous lui expliquez rapidement le projet, et hop, la personne peut s'enregistrer. On veut faire en sorte que ce soit accessible à absolument tout le monde, autant sur le plan technique que sur le plan pratique. Donc c'est pour ça que le site est extrêmement simple. On a une phrase, on s'enregistre, on peut se réécouter pour s'assurer que ça a été bien fait. On fait ça par lot de 5 phrases pour que ce soit le plus amusant possible. Et puis ensuite, on n'impose pas la création d'un compte. Donc par défaut, les gens contribuent de manière anonyme. S'ils veulent, ils peuvent contribuer en ayant créé un compte. Ce qui est quand même une bonne chose au niveau du jeu de données, puisque ça leur permet de renseigner des informations sur eux, notamment âge, genre, origine, pour savoir. Alors, le terme origine n'est peut-être pas le plus adapté, mais
On a passé beaucoup de temps sur la question de comment on définit l'accent d'une personne. Donc, origine, c'est dans ce sens-là, c'est en gros où vous avez grandi, dans quelle ville, pour savoir à peu près quel accent vous avez pris. Enfin, dans quelle ville, dans quelle zone géographique suffisamment restreinte pour permettre d'identifier un accent et suffisamment pas restreinte pour pas permettre d'identifier la personne. C'est compliqué un accent en fait, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça peut être très compliqué. Et on veut aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite au niveau de l'âge. Donc on essaye de motiver les gens de tous âges à s'enregistrer pour avoir un panel de tous les types de voix, de tous les types de diction, de tous Les les types tonalités de voix, d'accent. ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, ça a répondu largement. La question suivante, c'est en rapport avec la langue kabyle, comme tu dois le savoir, elle est interdite d'enseignement en Algérie. Elle est parlée au quotidien en Kabylie et dans la diaspora, principalement en France et en Amérique du Nord, plus précisément au Canada ou aux États-Unis d'Amérique, ce qui fait qu'elle souffre de contenu numérique. Est-ce que Alexandre peut nous expliquer comment ça se fait qu'elle occupe la quatrième position dans le corpus Common Voice de Mozilla? Eh bien, il y a une réponse toute simple et elle s'appelle Mohand. C'est grâce à lui que ça marche aussi fort. C'est Il faut pas chercher. Mohand, c'est ça? Pardon? C'est Mohand, Belkacem. Oui, c'est bien la personne dont on parle, Oui. qui est un contributeur depuis un petit moment déjà sur les projets Mozilla, qui s'occupait de la localisation de Firefox. Et puis un jour, au hasard des pérégrinations, je me suis rendu compte qu'il y avait une version kabyle, ce qui m'a intéressé quand même, puisque ma femme est kabyle. Ah, donc votre Donc collègue est là. du coup, j'étais curieux d'en savoir un petit peu plus. Et donc j'avais rapidement pris contact avec lui et puis je sais plus si c'était lui ou moi qui étais revenu vers l'autre quand Common Voice avait commencé, mais il s'était montré très intéressé par Common Voice justement pour enfin, évidemment lui pourrait vous en parler beaucoup mieux, mais de ce que j'ai retenu, un de ses objectifs lui, en tant que personne, il veut vraiment promouvoir le Kabyle. Et une de ses craintes, c'est que la numérisation de la société à tous les niveaux ait tendance à faire ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est que comme la langue n'est pas forcément bien représentée, et vous l'avez dit tout à l'heure, bien représentée numériquement, les gens vont avoir tendance à moins s'en servir dans certains aspects de la vie de tous les jours, alors que c'est là où à l'heure actuelle elle est le plus utilisée. Il aime bien prendre l'exemple de son GPS de voiture, et je pense que c'est pas si mal que ça comme exemple. Et petit à petit, en fait, ça peut conduire à la disparition de la langue. Et c'est intéressant, c'est quelque chose qui me rappelle, et je crois que je l'avais déjà évoqué, j'avais fait une interview avec le magazine L'Express en France il y a quelques mois sur les thématiques justement des langues régionales. J'ai vu Et cela, oui. en fait, c'était exactement le même problème et le même point de vue de la part des gens qui étaient intéressés à ce projet-là. Donc vraiment, et alors, pour continuer sur ça, autant Mohand, il est vraiment intéressé sur l'aspect sauvegarde de la langue et la faire entrer dans le numérique pour s'assurer qu'elle soit utilisée partout. Mais si on élargit le problème à plein de langues, et notamment des langues régionales, en fait, il y a énormément de raisons pour lesquelles les gens contribuent. On a vu des gens qui contribuent parce que ça les amuse. On a vu des gens qui contribuent parce que c'est des personnes qui sont dans des startups qui veulent travailler sur de la voix. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin de ces données-là.
Et donc, la meilleure manière d'avoir des données de qualité, c'est de contribuer et d'inciter à contribuer d'autres personnes. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui nous ont motivés au début à faire le projet Common Voice, de pouvoir libérer ces gens-là qui n'avaient pas forcément soit l'envie d'acheter des données propriétaires, soit même les moyens, des fois. Il y a des gens qui contribuent vraiment pour plein de raisons. Il y en a, c'est uniquement pour l'amour de la langue. Il y en a, c'est uniquement pour le défi technique. Il y en a, c'est un peu des deux. Il y en a, c'est pour rendre service. Il y en a, c'est par conviction sur l'aspect données libres. Et il y a aussi des gens qui en profitent, oui, pour pousser leur langue. Ce qui peut des fois amener à des débats un peu compliqués quand il y a des différents points de vue sur des manières de gérer des aspects linguistiques. Et encore une fois, on se rend compte que la langue, ça paraît quelque chose d'être d'assez anodin, parce qu'on l'utilise au jour le jour. Mais dès que les personnes commencent à débattre d'aspects terminologiques, de vocabulaire, avec potentiellement des implications un petit peu politiques derrière, ça peut très vite déraper. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose où personnellement j'étais habitué. En pratique, il faut vraiment saluer le travail de Mohand parce que il est sur tous les fronts et sur tous les ponts constamment. J'avais été avec lui, on avait participé à un café littéraire l'année dernière à Agfadou et j'avais vu de mes yeux en live. La mobilisation qu'il était capable d'avoir, parce qu'on était à la bibliothèque municipale d'Agfadou, un petit village dans les montagnes kabyles. Et là, devant moi, intéressé par nous écouter, Wen et moi, il y avait 30, 40 personnes de tous les âges. Et comme j'expliquais précédemment, des gens qui avaient des intérêts différents dans la langue. Donc, il y avait, alors, c'est assez amusant parce que dans le public, il y avait grosso modo deux populations. Il y avait des jeunes avec un background plutôt technique qui étaient intéressés par l'aspect plus machine learning. Et quand même le fait que ben, on parle de Kabyle, donc du machine learning avec du Kabyle, il y avait quand même un intérêt particulier. Puis il y avait aussi des gens qui n'étaient pas du tout techniques d'un certain âge. Et eux, ce qui les motivait vraiment, c'était la langue, la défendre, l'améliorer, la faire entrer dans cette thématique. Et donc, ces aspects techniques et surtout politiques, ça participe très fortement de la mobilisation que Mwend est capable d'imprimer sur le projet. Et c'est quelque chose qu'on voit par comparaison assez bien avec des langues régionales françaises. Il n'y a pas le même aspect, il n'y a pas les mêmes enjeux politiques. Alors bon, déjà, il n'y a pas le même nombre de locuteurs. Ça joue pas mal. Mais il n'y a pas aussi les mêmes enjeux politiques à la même échelle, en tout cas. Il y a des enjeux politiques, je pense. Je ne suis pas spécialiste des langues régionales françaises, mais il y a des enjeux politiques pour des personnes, mais pas à la même échelle, à cause du nombre de locuteurs, dans mon point de vue. Et donc du coup, bah, mécaniquement, ça fait qu'il y aura plus de gens qui sont très très motivés à contribuer beaucoup pour cet aspect-là. Voilà comment j'analyse. Et puis, encore une fois, il y a le travail d'animation de la communauté que Mouren fait, qui est quand même assez formidable. Parce que, alors avec le confinement, je sais pas si, je crois pas qu'il ait toujours la possibilité, mais il était constamment à visiter les cafés littéraires à droite à gauche. Ce que je disais tout à l'heure, on a été à un café littéraire à Agfadou un samedi. On s'est quitté le samedi soir. Le dimanche après-midi, il était à 300 km, à un autre café littéraire encore en train de parler de Common Voice. Donc il y a une détermination à animer la communauté pour pousser le projet. Pour monter des équipes qui s'impliquent sur le projet et ça marche. Ça marche à la fois sur la collecte de données, puisque le Kabyle se dispute la troisième place régulièrement avec le français ou avec l'allemand.
Et cet effort-là, il commence à payer. Je ne sais pas s'il en a parlé, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais il y a un étudiant, je ne sais plus quelle école d'ingénieur d'Alger, étudiant en dernière année, à qui il avait été proposé un sujet de projet de fin d'études sur le Kabyle avec Common Voice et DeepSpeech. Donc Mohand, il a fait de l'analyse assez intelligente et assez sensée que il avait réussi à collecter pas mal de données jusqu'à présent et qu'il était plus que temps maintenant de travailler sur un modèle de reconnaissance vocale en Kabyle. Et donc c'est un travail qui est non négligeable, à la fois parce que bah, il faut apprendre à maîtriser un peu DeepSpeech, même si on essaye de le faire le plus simple possible. Pardon. Et puis il y a aussi des aspects linguistiques propres. Il faut quand même être capable de comprendre le kabyle pour être capable de vérifier comment le modèle a appris. Et donc ça, quoi de mieux qu'un kabyle pour le faire. Sauf que Mohand, comme je disais, il s'implique beaucoup. Mais donc il faut répartir la charge sur d'autres personnes. Et un étudiant, c'est idéal parce que lui, l'étudiant, ça le fait progresser. Le projet, ça le fait progresser. Et potentiellement, si ça se passe bien, l'étudiant, il va avoir envie de continuer à contribuer après. Donc ça nous a permis d'avancer. Et alors, j'ai perdu un peu la trace de l'étudiant depuis le confinement, puis parce que j'ai été pris sur d'autres projets à côté. Donc, j'ai pas pu m'impliquer autant ces dernières semaines. Mais on a fait différentes expérimentations sur le jeu de données Common Voice qu'on a à l'heure actuelle. Donc le jeu de données sur lequel on a pu entraîner le modèle, entre guillemets, il fait que 220 heures d'entraînement, plus ça va être 40 heures de validation et 20 heures de test. Je peux revenir là-dessus plus tard parce qu'il y a une question sur l'aspect machine learning. Donc je Tout à fait. reviendrai sur les détails là-dessus. Tout à fait. Mais ouais, je reviendrai sur l'aspect modèle Kabyle Tout à là-dedans. fait. Justement, avant de venir sur ce point-là, la question suivante, c'est en rapport avec les applications les différentes De la applications reconnaissance de vocale. la reconnaissance vocale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus? Alors, les applications, c'est ouvert à l'interprétation de qui veut construire des applications avec. La reconnaissance vocale, ce sur quoi nous on travaille, c'est entre guillemets assez bas niveau. Le projet DeepSpeech, c'est proposer des outils d'entraînement pour un modèle, proposer des modèles pré-entraînés sur certaines langues, que ce soit par nous ou par des contributeurs. Et c'est proposer une API en C utilisable qui permette de faire de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire de donner un fichier son et récupérer du texte. Les applications à partir de ça, elles sont multiples et variées. Donc, je peux reprendre l'exemple de tout à l'heure, ça peut être la reconnaissance vocale assez limitée pour faire du contrôle sans les mains. Donc ça peut être par exemple dicter une adresse à un GPS. Et pour le coup, avoir le support du Kabyle, c'est quand même extrêmement intéressant pour des gens qui sont natifs du Kabyle. Ça peut être, et ça c'est aussi quelque chose qui peut intéresser beaucoup de langues régionales, ça peut être de la domotique vocale. Donc contrôler sa maison à la voix, c'est quelque chose qui existe déjà avec les assistants numériques tels que Alexa, Google Home, etc. Une des applications, c'est en général un assistant numérique et en particulier de la domotique. Mais nous, on se concentre vraiment sur la partie bas niveau de transcription. Donc on dépend vraiment des développeurs qui sont intéressés à rajouter de la reconnaissance vocale dans leurs applications ou à construire de nouvelles applications à partir de reconnaissance vocale. Un autre exemple d'application que je peux donner, c'est dans les navigateurs web, on est capable, sauf dans Firefox,
parce qu'on n'a pas travaillé encore sur la prise en charge de cette API-là. Mais dans d'autres navigateurs et au niveau du W3C, il y a une API qui permet de faire de la reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'une page web, donc par exemple Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, est capable d'obtenir la voix, enfin d'obtenir, pas directement la voix, d'obtenir la traduction textuelle de la voix de l'utilisateur, par exemple pour remplir un champ de recherche. Ça peut être contrôler un ordinateur à la voix. Par exemple, ça c'est quelque chose, il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur des postes de travail adaptés à des personnes en situation de handicap qui sont intéressées à rajouter ça, bah, être capable de contrôler à la voix la machine. Une personne qui a des difficultés, même sans nécessairement être complètement handicapée, une personne qui a des difficultés, des problèmes d'arthrose, des choses comme ça va lui limiter le nombre de mouvements qu'elle a à faire avec ses mains pour contrôler son clavier ou sa souris. Ça va améliorer son quotidien. Il y a toujours dans la thématique du contrôle vocal, on a été contacté par l'agence spatiale allemande, le DLR, qui s'intéresse à faire du contrôle vocal pour des rovers martiens et lunaires. Martiens, je ne sais pas, lunaires, oui. Et l'idée, là encore, c'est de libérer les mains des astronautes. Et donc, ils sont en train d'évaluer à l'heure actuelle Deep Speech parmi d'autres technologies pour pouvoir faire ça. Parce que, je reviendrai dessus quand on parlera de l'aspect machine learning, mais un des points vraiment forts de Deep Speech, qui fait que c'est intéressant pour pas mal de choses en local, c'est que un de nos premiers objectifs, c'est de fournir de la reconnaissance vocale qui fonctionne hors ligne. À l'heure actuelle, si vous utilisez des technologies de reconnaissance vocale comme celle de Google, d'Amazon et autres, le son n'est pas traité sur votre machine. Le son, il est transformé numériquement sur votre machine. Ensuite, le processus de traduction de l'onde sonore qui a été numérisée en texte, ça, c'est fait sur de l'infrastructure en ligne. Et ça peut poser beaucoup de problèmes de vie privée, des problèmes techniques, des problèmes de charge du réseau, etc., etc. C'est pour ça que toutes les applications qui peuvent nécessiter de la reconnaissance vocale locale, c'est vraiment des choses sur lesquelles ce sur quoi on travaille, ça peut être le plus intéressant. Et en règle générale, les applications de reconnaissance vocale, je pense que j'ai fait le tour. Nous, on fournit vraiment la couche de base. Et ensuite, c'est vraiment laisser à l'imagination des développeurs, que ce soit des développeurs chez nous ou des développeurs extérieurs. Très bien, vous avez parlé tout à l'heure, on va faire directement le saut vers le machine learning, mais j'aimerais bien que vous me dire un peu plus quel est le rapport avec l'intelligence artificielle et quel est l'impact sur les langues dans le cabinet de l'intelligence artificielle. Oh, ça, c'est vaste comme question. Le Voilà. rapport, alors, je vais commencer par la première partie. Oui. Le rapport entre l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est que ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est en fait la capacité pour. Alexandre, si ça ne vous dérange pas, je vais reposer la question autrement parce que n'oubliez pas, on aura affaire à un public large qui n'est pas forcément connaisseur des affaires techniques, informatiques. Ce serait bien de Oui, il vulgariser n'y a pas. la différence entre l'intelligence artificielle et machine learning versus reconnaissance vocale. Tout ça est lié, donc ce serait bien de l'expliquer d'une façon très. Y a pas de souci, Voilà. c'est comme ça que je comptais l'expliquer. Très bien, merci beaucoup Alexandre. Pas de problème. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'on a à l'heure actuelle de faire apprendre à un ordinateur un énorme volume de données pour avoir l'impression
l'impression qu'il est capable de prendre une décision intelligente. Par exemple, ma petite fille, je lui ai montré une fois le chat de sa mamie. Elle reconnaît tous les chats qu'elle croise. Un ordinateur, pour être capable de reconnaître un chat, il va falloir voir 10 000 photos d'un chat noir, 10 000 photos d'un chat blanc, 10 000 photos d'un chat marron, et encore 10 000 variantes de chacune de ces photos suivant la position du chat, pour être capable d'apprendre ce que c'est un chat. Et c'est ça, le machine learning et l'intelligence artificielle, c'est ingurgiter un énorme volume de données, donc par exemple des images, et être capable d'en extraire suffisamment d'informations pour comprendre quelque chose dedans. Et donc, à partir de autant d'exemples d'images de chats, on va être capable par la suite, si on présente à l'ordinateur une photo d'un chien, et ben, s'il a vu suffisamment de photos de chats, il va être capable de dire, je vois pas de chien, je vois pas de chat là-dedans. Et de ce principe de base-là, on construit ce qu'on appelle les intelligences artificielles et notamment les systèmes de conduite autonome, par exemple. Conduite autonome, des briques de base, ça va être à l'ordinateur d'être capable d'identifier des lignes droites continues ou discontinues pour être capable de matérialiser la route. Être capable d'identifier une voiture, un camion en face ou sur les côtés. Être capable d'identifier un piéton devant, un obstacle devant. Et donc tout ça, on peut le résumer assez facilement à simplement ingurgiter énormément d'images. Donc des images dans le cadre de la vision par ordinateur. Donc dans le cadre de l'intelligence artificielle en règle générale, la démarche est la même. L'objectif, c'est de montrer à l'ordinateur beaucoup d'exemples de données. Il faut correctement construire ces données-là, puisqu'il faut que l'ordinateur, à chaque fois, il ait quelque chose qui soit un petit peu nouveau pour qu'il soit capable de généraliser. La difficulté de l'ordinateur, pour lui, c'est de la force de l'être humain encore à l'heure actuelle. Comme je disais, ma fille, je lui ai montré une ou deux fois un chat. Elle sait ce que c'est un chat sans avoir besoin de connaître toutes les espèces de chats, toutes les couleurs de chats, etc. L'ordinateur, il n'a pas cette capacité-là. Il a besoin de voir énormément d'exemples pour avoir une idée globale de ce que nous, êtres humains, on va considérer comme un objet. Est-ce que je suis Oui, non, assez non, c'est clair clair, ou est-ce que c'est on a trop bien technique là? expliqué, justement, c'est bien, oui. Voilà. Donc du coup, voilà, le machine learning, c'est ça. Le machine learning, c'est apprendre énormément. Et dans le machine learning, il y a plusieurs variantes. Ce que nous, dans Deep Speech, on utilise, c'est le deep learning, donc c'est la capacité à construire. Et là, je suis désolé, on va être un petit peu plus technique. Pourquoi on l'appelle deep Mais learning? c'est la capacité. Le deep machine C'est learning, en fait. learning d'approfondir, c'est ça? L'apprentissage. Ouais, c'est des détails techniques. Je ne me souviens jamais précisément de la définition exacte, mais en fait, ça dépend de la manière dont on. Quand on fait du machine learning, on construit ce qu'on appelle un modèle. Et donc, ce modèle, ça va être lui qui sera à qui on va présenter plein d'exemples et qu'on va entraîner pour faire en sorte que quand on lui présentera des situations nouvelles et qui nous intéressent dans la vraie vie, il soit capable de nous donner les bons exemples, de nous donner les bons résultats. Et un exemple assez simple, c'est que on peut imaginer être capable de construire un modèle qui va me dire si un chiffre est positif, négatif ou nul. Ça va être un modèle très simple, mais ça permet d'un peu comprendre comment ça marche techniquement. Et donc on va avoir, sur notre modèle, on aura ce qu'on appelle une couche d'entrée et une couche de sortie. Et cette couche d'entrée, en fait, c'est là où on va simplement donner à l'ordinateur
ce qu'on a comme données qu'on veut lui faire analyser. Donc, si je prends l'exemple du positif, négatif ou nul, ça va être simplement un chiffre. On lui donne un chiffre. Le modèle, c'est une boîte noire qui va faire des trucs qu'on ne comprend pas forcément comment, du point de vue de l'utilisateur en tout cas. Et à la fin de ce traitement-là, on a ce qu'on appelle une couche de sortie. Et cette couche de sortie-là, elle va avoir plusieurs. Alors, si j'utilise le terme neurone ou le terme vecteur, ça va être compliqué. Mais en gros, elle va avoir trois sorties, pour l'exemple que je donne. Trois sorties numériques qui peuvent valoir 0 ou 1. Il y a une sortie, elle va nous permettre de savoir si le chiffre il est positif. Il y a une sortie, elle va nous permettre de savoir si le chiffre il est nul. Et il y a une sortie, elle va nous permettre de savoir si le chiffre il est négatif. D'accord? Et chacune de ces sorties donc, peut prendre la valeur 0 ou 1. Et elle prendra la valeur 0 si la condition de sortie n'est pas vraie. Et elle prendra 1 si la condition de sortie est vraie. Donc par exemple, si au réseau de neurones, au modèle, pardon, je lui présente le chiffre 5, dans ma couche de sortie, j'aurai la partie positive qui vaudra 1, la partie négative qui vaudra 0 et la partie nulle qui vaudra 0. Et si je lui présente un chiffre négatif, j'aurai inversement. Donc ça, c'est un exemple très simple qui devrait permettre de comprendre comment ça marche. D'accord. Et à partir d'un exemple comme ça, on peut construire des exemples plus compliqués. Si je reprends le cas de la vision par ordinateur, comment on détecte qu'il y a un piéton pour pas lui rouler dessus? Et ben, on a appris d'abord, on a construit un modèle qui est capable, à partir d'une image, de dire s'il y a un piéton dedans ou pas. Et ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, je crois même que ça fait partie des exemples de certains cours en ligne qui sont proposés par l'université de Stanford pour le machine learning, qui sont des cours en ligne gratuits en plus, et plutôt bien faits. Par contre, c'est en anglais, donc il faut être capable de suivre des maths en anglais. Et je dis ça parce que moi, ça m'avait posé des petits soucis. C'est pas pour me moquer des gens. Et à partir de cet exemple-là, savoir dire s'il y a un piéton ou pas dans l'image, on va. Admettons qu'on ait une caméra qui filme. On va faire tourner le modèle. Est-ce que j'ai un piéton dans l'image? Sur plein de petits sous-ensembles de l'image de la caméra, très vite en parallèle. Et s'il y a un piéton quelque part dans l'image à un moment donné, on a une des instances de ce qu'on balaye sur toute la caméra, qui va nous dire, ah, j'ai vu un piéton là. Et donc, du coup, on sait qu'il y a un piéton quelque part. Et la sortie du réseau de neurones, c'est j'ai vu un piéton ou j'ai pas vu de piéton. Voilà. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour expliquer comment ça marche. C'est pas mal comme Mais. nos auditeurs, et comme ça, ils ont la base, comme ça, comme tu viens de le dire, ils peuvent se documenter davantage pour avoir un peu plus Voilà. de précision, d'autant plus, c'est pas. Voilà. Et alors? Oui. Et si on veut refaire le lien avec la reconnaissance vocale, parce que là, ça fait quand même un moment que je parle Oui. d'autre chose que la reconnaissance vocale, C'est pas le lien. le modèle qu'on a, nous, il s'appelle Deep Speech, il est basé sur des travaux qui avaient été publiés par Baidu il y a quelques années. Donc, le papier de recherche s'appelle Deep Speech, hein, d'ailleurs. On n'a pas été très loin pour trouver le nom du projet. Et fondamentalement, ça marche de manière assez simple. En entrée du réseau de neurones, en entrée du modèle, on a une version numérisée du signal audio. Donc, le signal audio, c'est une sinusoïde, hein. On discrétise, on extrait des caractéristiques, donc avec des trucs comme les transformées de Fourier, etc. Les fréquences, tout Là, ça. c'est voilà, là, bon, nous, on utilise les MFCC. Bon, c'est technique, mais en gros, on sort des vecteurs qui caractérisent le signal audio qu'on a eu en entrée. Et ces vecteurs-là, ça va être notre entrée du réseau, notre entrée du modèle.
Et la sortie du modèle, ça va être tout simplement des classes. Alors, le terme technique, c'est des classes. Et en gros, ça correspond à des caractères de l'alphabet. Donc, pour simplifier, en entrée du réseau, on va lui donner le signal, le sinusoïde audio. Et en sortie, il va nous nourrir des vecteurs qui correspondent à l'alphabet de la langue qui nous intéresse. D'accord. Et en pratique, d'un point de vue technique, en fait, ce n'est pas exactement directement l'alphabet, c'est des distributions de probabilité sur les caractères de l'alphabet. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça va nous dire, voilà, s'il y a plus de probabilité que ce soit tel caractère ou tel caractère ou tel caractère. On va accumuler ces différentes distributions de probabilité sur un petit peu de temps. Et ensuite, on fait une recherche Beam Search pour reconstituer les suites de caractères qui sont les plus probables. Donc on peut se limiter à l'image de la sortie du réseau, c'est des caractères et le modèle, il nous produit des caractères. Ça permet de comprendre comment ça marche. Donc voilà le lien et donc du coup ça permet de comprendre assez facilement pourquoi on a besoin d'autant de textes et d'audio, pourquoi on a besoin de textes et d'audio qui soient appairés, c'est-à-dire que le texte et l'audio doivent décrire la même chose, parce que du coup, la manière dont la machine apprend, c'est que on lui présente le signal audio, on la laisse calculer sur le modèle pendant la phase d'apprentissage, et on récupère la sortie de ce calcul. Et ensuite, comme c'est les données d'apprentissage, on sait pour ce fichier audio-là quel était le texte qu'on attendait. Et on va comparer ce qu'on attendait avec ce que le réseau nous a donné, avec ce que le modèle nous a donné, et on va calculer la différence pour savoir à quel point le modèle s'était trompé. Et on va prendre un petit peu cette différence-là et on va la propager en arrière, ce qu'on appelle la backpropagation dans les réseaux de neurones. Et ça va nous permettre de modifier un petit peu le modèle qu'on avait On appelle, pour enfin, qu'il. on appelle dans le langage réseau de neurones le backpropagation, ça veut dire qu'ils vont repondérer les poids pour Exactement. ajuster au modèle. Je connais un peu Exactement. comment ça fonctionne. Exactement. Et donc, en faisant ça sur énormément d'exemples qui soient les plus variés, les plus représentatifs dans la manière de parler du plus de gens possible. Encore une fois, pour le problème de généralité que l'ordinateur n'est pas capable de faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'il nous faut plein d'exemples de gens qui parlent avec des accents différents, avec des intonations différentes, avec une vitesse différente, C'est pas avec des voix différentes, des hommes, des femmes, des tout quoi. C'est pas fait. Et c'est seulement cette diversité-là qui fait en sorte que le modèle est capable d'apprendre non pas la voix de telle personne ou la voix de telle personne ou tel exemple et tel exemple, mais qu'il est capable de généraliser et de reconnaître à peu près n'importe quoi. N'importe quel accent, n'importe quel voix. Exactement. Voilà. Ouais. Et je ne sais pas si tu as prévu de discuter. Ou si tu l'as déjà fait avec Mourène à ce sujet-là, et éventuellement avec l'étudiant qui travaille sur le modèle en Kabyle. Bon. Mais une des choses, je crois, qu'ils m'ont dit, c'est que effectivement, on voit certains des biais qu'on attendait, c'est-à-dire que les gens ont tendance à parler trop lentement quand ils s'enregistrent sur Common Voice. Ils ne parlent pas assez naturellement. Et donc, Oui. du coup, le modèle a du mal à bien décoder ta Ah. diction quand tu parles naturellement. Alors que si tu prends ton temps pour bien articuler, pour bien séparer les mots, il a beaucoup plus de facilité. D'accord. Donc ça fait partie des biais sur lesquels. Alors, c'est des biais qu'on a. C'est pas le propre au Kabyle. J'ai remarqué le même problème en Oui. français. Oui.
Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille cette année, et où la collaboration justement avec les équipes des différentes langues est primordiale entre les équipes de Mozilla qui travaillent sur le projet et les équipes des langues qui travaillent sur le projet. Il faut qu'on arrive à se synchroniser pour à la fois avoir les retours de ce qui ne va pas dans les jeux de données. Parce que ça, c'est plus les contributeurs qui sont capables de nous dire. Et à la fois, comment on peut, au niveau du projet et pour toutes les langues, comment on peut agir pour améliorer ça. Donc, Alexandre, le message que je souhaiterais lancer aux Kabyles, c'est que quand ils s'enregistrent, ils doivent être le plus naturel possible parce que l'ordinateur Absolument. doit apprendre la nature, le naturel, pas l'artificiel. Absolument. Quand on est devant l'ordinateur, on croit bien être parfait. Non, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être soi-même, Au contraire. Au émuler la contraire. réalité, émuler la réalité, c'est ça. Et pire que ça, il y a souvent des gens qui nous demandent s'ils doivent acheter des micros exprès, etc. Et c'est au contraire, il ne faut pas le faire. Il faut utiliser le système que vous utiliseriez dans la vie de tous les jours pour faire une tâche de manière vocale. Donc si par exemple vous imaginez, je ne sais pas, faire une recherche sur Internet depuis votre téléphone en la lançant de manière vocale, et ben utilisez le même téléphone de la même manière en parlant à la même vitesse que si vous aviez voulu faire une recherche ou dicter un message, dicter une lettre. D'accord. Voilà, le plus important, c'est que la manière de parler des gens corresponde sur Common Voice à ce qu'ils font dans la vie réelle quand ils veulent se servir de ces outils-là. Et à ce qu'ils font dans la vie réelle en règle générale. On ne devrait pas avoir à penser à, ah oui, pour utiliser ça, il faut que je parle comme ça. Il faut parler naturellement et c'est à la machine de s'adapter. Et la machine, elle arrivera à s'adapter. Hein. Si on lui balance 15 000 heures d'audio, elle arrivera à le faire. Ça prendra un peu plus de temps, mais elle arrivera à le faire. D'accord. Il faut vraiment pas hésiter et surtout pas hésiter sur la variété des accents. Je sais que Mohen m'a dit qu'il y avait une surreprésentation de l'accent de Tizi Ouzou, par exemple. Oui, Et ça c'est donc, pas bon. Ça il veut dire, faut arriver à faire. ouais, les gens de Bouji, de Béjaïa, de Boumerdaz, Bojborij, toutes les régions de Kabylie sont Pourtant, impliquées pour apprendre les accents. exactement. Alors, il y a une partie de promotion du projet qui consiste à en faire parler à droite à gauche. Et c'est pareil, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est la réalité, mais que même les gens de la diaspora, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis, ils ont un autre accent kabyle maintenant. Ils n'ont plus l'accent de la région d'origine. Tout à fait, Et donc, bah, c'est comme les Québécois qui ont développé notre accent par rapport au français. Là, on est les premières générations de. Donc, oui. le québécois, il n'y a pas que l'accent. C'est plus que juste une question d'accent. C'est quand même une langue qui a évolué différemment et en parallèle du français. Et ça se ressent dans le vocabulaire. Et puis qui a évolué à côté d'une langue forte et anglophone. Dominante, oui. Ok, je sais pas Donc, si tu non, as mais c'est du coup, c'est assez drôle d'avoir à parler des fois avec des Québécois. J'en ai eu dans les équipes chez Mozilla avec qui je travaillais avant. Et au début, on voit une personne qui parle en français et par écrit, on ne se rend pas compte, parce que souvent on interagit par écrit. Et donc par écrit, on ne se rend pas compte, on pense que c'est un Français qui est installé aux États-Unis, puis en fait, on se rend compte qu'il ne comprend pas les mots de la même manière que nous. Et au final, tout ça parce que bah, c'est un Québécois, et donc le vocabulaire n'est pas le même et n'a pas toujours le même sens. Et du coup, je ne sais pas s'il y a le même comportement à la fois sur l'accent et aussi sur la langue en québécois. Est-ce que le Kabyle de la diaspora est vraiment en train de muter, par exemple, par rapport au Kabyle, entre guillemets, autochtone? Oui. Ça, je me Oui. demande. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle,
ça fait pas assez longtemps Tout que à les gens ont fait. beaucoup On immigré le en masse. remarque avec nos enfants, là, quand ils parlent, ils arrivent à introduire un peu les sonorités, enfin, les accents un peu anglais ou français ou québécois quand ils parlent le kabyle. On sent qu'il y a ce mélange d'accents. Ouais. Donc, c'est ce qui donne un autre Ça accent doit kabyle. être. Alexandre, est-ce que tu as fini avec la question? Parce qu'il me reste la dernière question, parce que je ne veux pas abuser de ton temps, parce que les minuit et 2 heures du matin passées chez vous. Ouais, C'est ça, hein? t'inquiète pas. Donc. Je me suis levé à 11h, Ah oui, 11h30. d'accord. D'accord, c'est bon. Ah, en fait, entre le confinement et le fait que n'y ait pas de nounou en ce moment, et en plus les projets sur lesquels je travaille, du coup, en ce moment, j'ai pas mal pris l'habitude d'être en décalé, tu vois. Je me lève à 11h. Et puis je bosse plutôt le soir et la nuit jusqu'à tard. Donc c'est pour ça que cette heure-là ne me gênait pas en fait. Très bien. Tu vois. Alexandre, il reste la Donc dernière oui, je pense question. qu'on a fait le tour de la question. Oui, il reste juste la Oui, dernière t'inquiète pas. question. Il reste juste une dernière question, Alexandre, avant de clôturer notre interview. Les logiciels et le data libre sont-ils réellement un atout ou bien une chance, oui, pour les langues minorées ou dites ou souffrantes? Et si on prend le problème à l'envers, Ouais. si on admet qu'on ne fait pas du logiciel libre et qu'on ne fait pas de la donnée libre, il va falloir trouver de quelle manière des langues qui n'ont, entre guillemets, parce que j'aime pas cette manière de réfléchir, mais c'est quand même. Ça décrit une certaine réalité, qui n'ont pas beaucoup de locuteurs. De quelle manière elles peuvent intéresser certains organismes qui vont avoir besoin de traduire dans cette langue-là, de produire du contenu dans cette langue-là? La réponse, on l'a aujourd'hui avec le Kabyle. On l'a aujourd'hui avec beaucoup de langues. Qui sont peu présentes numériquement, qui sont peu présentes en règle générale. Ouais. J'ai le mot business model, mais ça me plaît pas. Mais pour faire simple et assez vulgaire, s'il n'y a pas moyen de faire de l'argent avec ces langues-là, les entreprises ne vont pas investir dans ces langues-là. Tout à fait. Donc, en fait, là, en tout cas, à l'heure actuelle et dans l'état actuel, je ne vois pas comment on peut envisager que pour certaines langues qui correspondent à ces caractéristiques-là, on puisse envisager une diffusion et une introduction massive dans certains outils sans avoir accès à des données libres et à du logiciel libre. Parce que ça réduit ça réduit ça baisse la barrière d'accès à ces langues-là et donc ça fait en sorte que ce soit un peu plus facile, même s'il y a toujours un investissement à faire. L'investissement, du point de vue d'une entreprise, il peut paraître plus rentable. Puisque maintenant, on va parler de manière un peu vulgaire, mais pour être capable de répondre à un marché de X millions de personnes, avant ça me coûtait Y millions, maintenant ça me coûte Y sur 2 millions, et du coup, ça vaut plus le coup, quoi. Donc, il y a une partie de l'analyse qui peut être faite comme ça, c'est que la donnée libre, derrière, en fait, elle permet de garantir un peu plus d'accessibilité à cette langue-là en réduisant le coût. Parce que c'est un facteur non négligeable et parce que c'est quand même assez embêtant d'exclure des gens parce qu'ils parlent une certaine langue uniquement pour des raisons de coût. Ça, on est assez d'accord. Ensuite, il y a un autre aspect. Et sur la reconnaissance vocale, ça peut paraître plus évident. À partir du moment, et vu comment la reconnaissance vocale fonctionne,
partir du moment où on contrôle les données et les algorithmes, d'une certaine manière et d'un certain point de vue de l'esprit, on contrôle la langue. Puisqu'on est capable de contrôler de la manière dont le modèle va reconnaître, on est capable de contrôler le vocabulaire qu'il va reconnaître, les intonations qu'il va reconnaître, les accents qu'il va reconnaître, les genres, les âges, etc. Et à terme, on peut tout à fait envisager que ça modifie la manière dont la langue est utilisée et donc dont la langue évolue. Donc il y a à la fois, de mon point de vue, un aspect linguistique, comment la langue elle évolue, comment la langue elle est utilisée. Mais si on se projette dans un futur pas forcément idéal, qui n'est pas forcément un futur très loin, rien ne nous empêche d'estimer qu'à partir du moment où c'est certaines entités centralisées qui contrôlent la manière dont la langue est construite et utilisée, eh ben on peut envisager de censurer certaines notions de la langue. Et ça reste évidemment complètement hypothétique, mais à partir du moment où, pour faire toute la transcription vocale vers texte de quelque chose, on dépend d'un service en ligne qui s'appelle Google, qui s'appelle Amazon, qui s'appelle Microsoft, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle qui on veut. On envoie de l'audio, on récupère du texte. Donc on est dépendant de la manière dont ces gens-là traitent le texte. Et on n'a aucune garantie sur aujourd'hui, ni sur l'avenir, sur la manière dont ça va être fait. Je me souviens, je ne sais plus quelle entreprise et je ne sais plus dans quel contexte, mais je crois que c'était sur des avis à laisser sur un site web, sur des produits. Il y avait un filtrage et si le commentaire était trop négatif, le système refusait le commentaire. Wow. Donc, quand je me souviens plus dans quel contexte, mais je me souviens de l'avoir vu, je me souviens que ça m'avait choqué. Donc évidemment, c'est un futur hypothétique, c'est probablement pas comme ça que ça va se passer, mais à partir du moment où on remet entre les mains de quelques personnes centralisées la manière dont notre langue est utilisée, et en même temps qu'on a de plus en plus d'outils qui dépendent de ce traitement de la langue centralisée, bah, pour le moment ça reste une vue de l'esprit, mais rien n'empêche que ça puisse devenir une réalité. Et là, ça va poser des questions politiques assez fortes. Et pour le coup, des langues qui ont été un peu bannies ou interdites, comme le kabyle ou même en France à une certaine époque, les langues originales étaient interdites également. On peut tout à fait imaginer des choses inquiétantes. Et du coup, le côté données libres, il est important pour s'assurer que le modèle qu'on construit ne comporte pas de biais, que ce soit des biais volontaires ou involontaires, parce que de toute façon, quand on collecte et qu'on construit les jeux de données, même si on fait au mieux, il y aura toujours des biais qu'on va introduire. Donc l'important, c'est de pouvoir les vérifier, les quantifier et les réduire au maximum. Et le logiciel, il faut aussi qu'on puisse lui faire confiance. Et une des meilleures façons de pouvoir faire confiance au logiciel, c'est d'être capable de s'assurer que ce qui tourne entre mes mains, c'est le code source que je vois. Donc d'avoir du logiciel libre que je puisse recompiler de zéro moi-même. Voilà, Alexandre, on te remercie beaucoup de nous accorder ton temps et pour expliquer toute la terminologie technique et aussi c'est quoi Mozilla et c'est quoi son but, ses objectifs, ses projets, etc. Donc, je te laisse peut-être conclure avec le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. Moi, mon temps, il est dédié à ces projets-là, donc ça me fait toujours plaisir d'en parler partout où on me demande d'en parler. Et si j'ai un mot à donner pour conclure, c'est contribuer. Contribuer votre voix, contribuer vos accents, contribuer naturellement
contribuez avec vos enfants, avec vos amis, en famille. Faites passer le mot le plus possible sur les objectifs de Common Voice, parce que la réussite du projet dépend uniquement des contributeurs, elle ne dépend pas d'autre chose que de l'implication des contributeurs. Et à l'heure actuelle, les contributeurs sont extrêmement impliqués. Donc la meilleure manière de les remercier, c'est de continuer à contribuer à la fois sur Common Voice, et puis après, s'il y a des gens qui sont plus intéressés sur l'aspect technique et l'utilisation de la reconnaissance vocale en Kabyle, maintenant que c'est quelque chose qui commence à devenir techniquement envisageable, eh ben, contribuez aussi et construisez des applications de reconnaissance vocale qui sachent prendre en charge le Kabyle. Et ça, vous vous rendrez service à l'humanité en règle générale. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, Alexandre. Voilà, donc, vous mentionné ce matin, تظهر إن ساعة ستين شانس إن ساعة كنيا تثلاث نور أتكشم ذو مظل أمضين كنيا نزكا أتنقبل خطر نزكا غادي بدل تلي تقبلي توجد وكنيا أتنبنو إيوانو ندريا النور عندنا كان ذا كان وكي ذا حريش كان مزورو تدويل تكير شكور حريش ويسينا ذي لير أدنا ويتادي ويني تاكد موحند بالقاسم أكدو نلمادا كي ندينا مس ألكسندر ليسي يخدم دي سداوي تفو صنفار كي فين يعني تقبليت صنفار الموزية إسيا غردين وندينا قيمات دي تلويت